Oh non, non, faut pas que Non. je fasse ça. 233 morts. Aïe aïe Non. aïe. Pourquoi j'ai dash? N'ai pas de dash. Je comprends même pas comment c'est possible de réussir à passer cette salle. Genre, les trucs ils bougent tellement vite, genre, c'est impossible de passer. De la deuxième. La Mais première. non, je suis dans la première. De la 3C, où il y a les trucs qui font de haut en bas en Ah boucle. oui, et t'as Et où des petits faut. cristaux entre les deux. Et où faut spammer son dash pour passer, sauf que c'est impossible. Fais des diagonales. Ah non. Et pas des tout droits. Avec les diagonales, c'est plus simple. Beaucoup plus simple. Oui. C'est comme toutes les salles du jeu, hein, tu sais, si t'as pas la strat, tu trouves ça dur, mais dès que t'as la strat, finalement, tu te dis que c'est beaucoup plus abordable. J'ai pas dit simple, hein, je dis Non, abordable. ça existe pas pour moi justement, c'est le problème. C'est sûr que si t'apprends pas. Hop. Bon, d'accord, je reviens. Mais en vrai, Maisie, c'est la 4C, elle est moins chiante que la 4B, rassure-moi. Oui, elle est moins chiante. Ok, bon, ça va. Ah, déjà, il n'y a que 3 salles, donc déjà, par ce tour-là, ce sera obligatoirement moins chiant. Oui. Et je crois que. Je suis pas sûr, hein, mais je crois pas qu'il y ait de boule de neige. Hein. Mais je dis peut-être de la merde, ça fait longtemps que je l'ai pas faite. Déjà, la première, en vrai, elle est pas compliquée. Si c'est ce que je pense, en vrai, une fois que t'as compris ce qu'il faut faire, elle est gratos. Bah, je crois que j'ai compris, mais j'y arrive quand même pas. C'est quoi la salle? Merde, je crois. C'est où tu dois te propulser avec des bulles, tu dois t'accrocher sur un mur, sauter, dasher, aller dans l'autre bulle, puis faire ça. Tu sais que quand tu rentres de la bulle, je crois que tu as juste à faire. Tu sais, avec la bulle, tu pars vers le haut. Ouais. Et ben en fait, tu as juste appuyé sur saut et ça te fait un wall bounce. Ah, faut wall bounce. Et oui, parce que tu as besoin de Bah, ton dash. sur le premier t'as pas besoin, mais le deuxième oui. Et le troisième, faut que tu t'accroches sur le mur, parce que sinon tu peux pas atteindre la dernière bulle vu qu'il te faut ton dash. Y en a que deux. Ah ouais. Bon, vas-y, je vais tester avec un wall bounce. Bon, ça, ce que ça se trouve, c'est une autre salle que j'ai en tête. C'est juste un hasard que le schéma soit le même. Ouais, c'est une fois que la bulle elle éclate, t'as vraiment pas besoin de dash rien, hein. Juste tu appuies sur saut et c'est bon. Oui. Ah oui, ok, j'ai pas Ouais. besoin de dash. Ah Comme ça au oui! moins t'es beaucoup plus large. Et je crois que du coup pour le deuxième il faut que tu t'accroches Ah sur le oui. mur. Et en... Ouais tu vois Ouais, ok, y a pas de ouais. pic. Du coup tu t'accroches là et puis après tu fais un dash vers la droite. Oui, ok, d'accord, c'est trop simple en fait. J'avoue, c'est trop simple. Oui, une fois que tu comprends c'est pas compliqué. Pas besoin de... Tu vois, Colin, c'est pour ça que j'aime pas le 3 et que j'aime mieux le 4 par exemple, c'est que le 4 au moins c'est du mouvement, tu vois. Si tu Ouais. arrives pas, c'est juste parce que t'es pas doué, alors que le 3 c'est des vieux timings de merde, faut juste spam de façon random jusqu'à ce que ça passe et genre c'est super. Hein. C'est juste du Sauf que là passage c'est d'un poussé à côté et d'un l'extrême en autre. fait. Pareil ça. Ce qui est bien avec, en fait avec Excel, c'est que. Enfin avec cette phase, c'est que la première, il y a vraiment rien de compliqué. Une fois que t'as compris. Et la deuxième, une fois que t'as la strat et le chemin à prendre, en vrai, c'est vraiment pas si dur que ça. Il y a juste la troisième qui est un peu chiante. Enfin, en fait, j'ai juste décrit en fait les phases, en fait. Merci pour cette analyse. C'est juste ça pour Bah, tout. ton analyse, elle marche pas trop pour la 3C, j'ai l'impression. Hein. La première salle, elle est Non, mais impossible déjà, super. je parlais de la 4. Oui, mais t'as dit, j'ai décrit les phases C, mais du coup, ça marche pas pour tous. Hein. Non, il est. Je sais plus ce qu'il a dit. Bah, par exemple, quand on compare la deuxième, bon, tu vas pas me dire que la première salle est dure, quoi.
Je pense que vraiment le 2, la phase C, la première salle, c'est vraiment, je pense, la plus simple de toutes. Oui, mais la première salle, j'ai l'impression que c'est pour te faire apprendre la mécanique de rester accroché sur le truc de l'autre côté, parce que t'as besoin de le faire après. Ouais. Là, d'ailleurs, elle t'apprend pas grand-chose, la première salle de la 3C, hein. Non, elle te donne juste un give-up, c'est trop bien. Elle te dit, tu vas pas passer un bon moment, et ce n'est que la première. Ouais, c'est ça. Mais j'aime pas déjà de base le niveau 3, alors... Bravo, tu es une personne tout à fait normale. Ouais, mais c'est que... Justement, la personne tout à fait normale en moi, elle a juste envie de give up ce truc de main qui est impossible. T'inquiète, c'est juste un mauvais moment passé, et puis après tu y retoucheras plus jamais de ta vie. Bah... Et t'auras pas de regret parce que tu l'auras déjà fait. Sauf quand tu feras les phases dorées, des phases... Non, quand on prend les archives Lago. Faudrait pas les archives Lago, en fait je serais comme Colin. Colin il a dit qu'il enlèverait la 4B, bah moi j'enlèverais la 3C hein, je crois. Dis pas ça. Ah mais je suis quand même la 3B, oh, ça va alors. Hein? Surtout que le pire c'est que les faces B et C, je crois que c'est pour que deux checks, je crois. Hein. Mais en fait oui, Colin disait ça, moi je me disais que ça se trouve j'allais quand même encore les enlever parce que de toute façon c'est beaucoup trop long et beaucoup trop dur pour rien en gros. C'est vrai que je me dis que la proba que j'ai plus jamais besoin de faire de le 3B est assez haut vu que ça correspond qu'à deux checks en archipelago donc ça va. Mm. Je suis plutôt safe là-dessus. Ah oh, c'est de la précision à la fin. Trop facile. Je pense qu'il y aura un putain de vent mais... Tu parles de la toute fin de la dernière salle. Mm. Yep, c'est... C'est juste que t'as de moins en moins de blocs pour sauter. Ouais. J'aime bien ça. Alors, si tu dis c'est encore ça quand tu le ratins. Oh. Okay, rien que le début, c'est déjà trop chiant. Qu'il y a un moment où tu dois faire un dash sur un... Enfin, tu dois utiliser un nuage juste pour recharger ton dash, mais il faut pas que tu sautes dessus, parce que sinon ça t'enfoie dans les pics, je crois. Ah oui. Ouais, je vois. Ça, c'est chiant, ça. Ça me fait penser un peu... au set... un cut qu'on prend dans les 2000 mètres, où... normalement, c'est juste pour prendre une fraise, mais ça va plus vite de passer par là, où tu dois vraiment dash sur un nuage, mais tu dois surtout pas sauter dessus. Ouais. De surtout pas sauter dessus et surtout bah tu dois être à la bonne hauteur pour pouvoir quand même recharger le dash. Non mais vas-y, le vent c'est trop chiant vite. Oui. Trop chiant le vent, c'est le pire truc du jeu. Bon ça on va pas se plaindre, y'a pas de boule de neige. Y'a pas de boule de neige du coup, d'accord. C'est le pire truc du jeu qu'il dit. Je sais pas, j'en ai pas vu encore. Je pense que... What? C'est quoi cette dinguerie? Que tu fais là? Bah c'est le pire truc du jeu, c'est le vent. Voilà. Bah non, c'est pas le vent, c'est pas le pire truc du jeu. Hein. Quoi? C'est quoi le pire truc? Le timing, c'est ça? Les boules du chapitre 3? Les poissons du chapitre 5? Non. Bah si, hein. Les bumpers aussi? Non. Ah, enfin un truc sur lequel je suis d'accord. Ah parce que toi t'es pas d'accord non plus que les boules du chapitre 3 c'est pas le pire truc du jeu. Bah le problème c'est pas les boules, c'est le fait que c'est les timings de merde. Mais oui ça reste de la merde mais pour moi vraiment le vent c'est le pire hein. Le pire de tout. Je préfère quand même ça plutôt que les vents ou les boules de neige ou les bumpers. Hein. Ah ouais. Ah non. Mais what mais ah, moi ouais, par contre t'as pas les bumpers, bah voilà tu vois, d'accord. Non. Mais moi par contre je sais pas pourquoi j'ai pas l'impression que le vent ce soit un truc chiant. Mais what? Ouais bah on verra quand tu seras sur le 4C. Oui bah après peut-être que sur le 4C c'est trop dur mais... En fait je serais jamais sur le 4C parce que... Enfin si je suis sur le 4C tu veux dire que j'ai give up le 3C quoi. Hein. Parce que je passerai jamais cette première salle, en fait je vais mourir 10 000 fois dans cette première salle, je serai toujours pas passé parce que c'est juste impossible en fait. T'as regardé une vidéo ou pas? Non. Bah voilà.
déjà tu peux pas te plaindre. Mais putain, il faut dash si je peux dash là. Que t'arrives pas alors que t'as même pas regardé la vidéo. Alors, tu peux pas give up si t'as pas regardé la vidéo. Moi je lui dis ça. Mais les trucs en fait ils bougent trop vite, hein. T'as pas le temps de. Mais juste. Juste tu peux pas give up. T'as pas le droit. Interdit. Ah oui, ah oui. Ah ouais, d'accord. Comme je l'ai dit, t'as le droit de give up que quand t'auras fini tout. Sans les phrases dorées. T'as le droit de give up. C'est pas give up une fois que t'as joué, une fois que t'as joué tout fini, t'as pas besoin de refaire. C'est quel détail ça. C'est bien ça. C'est pas ça le truc. Yes. C'est facile pour toi de dire ça, sachant que toi je suis sûr t'as mis genre la première fois que t'as fait une phrase C, t'as mis 10 minutes et après en 4 essais t'as fait une phrase dorée quoi. Peut-être pas quand même, mais ouais. Peut-être le mute finalement en fait. Arnaud. La bizarre. Non mais par contre pour de vrai je suis sûr il me dit s'il a fait les phrases C ça lui a pris 10 minutes pour de vrai. Hein. Là j'ai vu un gars sur... Juste comme ça, j'ai vu un gars sur Reddit, là il disait oh la 3C elle est trop dure, il avait pris 45 minutes, et j'ai vu la 1C et la 2C il avait pris 10 minutes, hein, super. Non mais arrête de te comparer aux gens trop forts sur Twitter, sur Reddit. Non mais justement c'est pas un gars trop fort, il disait que le 3C c'était trop dur. Oui bah il y a plein de gens qui disent qu'ils sont trop nuls alors qu'en fait... Oui mais bref, mais justement c'est pour ça, je suis désolé, mais pour moi je pense que dire que Emesis il a mis 10 minutes à faire les FAC c'est pas du tout de l'abus. Parce que Emesis il est trop fort en fait. Oui mais moi je pensais que tu disais 10 minutes à faire toutes les phases C. Mais pas du tout, 10 minutes chacune genre. Ok, hein. Ok. Faut peut-être pas abuser en plus. Mais voilà, c'est pour ça que je disais t'abusais, parce que je t'en veux, mais attends, quand même. 10 minutes chacune, MDR, je suis sûr que même maintenant il faut plus que 10 minutes pour qu'il les fasse tous. Pas en vrai, elles prennent bien au moins genre une à deux minutes chacune. En vrai, ce serait marrant de savoir. Non, les phases C, clairement, tu mets même pas une minute. Hein. Oui. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut que tu les réussisses toutes sans mourir first try, quoi. Tu vas peut-être pas faire ça quand même. Je vais acter fort, mais quand même. Ah. En vrai, j'ai envie de voir un peu le temps que tu mets. Vas-y. Mais j'ai pas de splitter, la flemme. Bon, je vais juste prendre en real time. Hop. Pourquoi t'as pas le compteur? Pourquoi tu veux pas le mettre le compteur? Parce qu'il faut. Le mieux ce serait de mettre c'est un splitter mais qui speed que pour. Que au moment où je finis, tu vois. La flemme, donc je vais juste prendre le real time et j'irai vite entre. Dans le menuing. Ah oui, mais on parle du real time nous. Ah. 44, je commence. What the fuck? Oui! Ben voilà! Mais en fait, il fallait vraiment aller en diagonale entre chaque truc et prendre de chaque cristal. LOL. Bah oui, tu nous écoutes pas aussi. Mais si, mais. En fait, j'ai essayé de passer deux trucs d'un coup. Ça marche pas. C'est pas que je m'accroche. Moi, j'ai plus galéré sur celle-là que sur celle d'avant. Hein. Bah. What? Mais attends. Mais pourquoi je m'accroche pas ici? Ah mais je savais même pas qu'on pouvait se baisser sur les plateformes pour les faire descendre plus vite, what the fuck. Ah bon. D'ailleurs. J'avais jamais fait ça depuis le début. Hein. Eh ben, si tu peux. Là j'ai juste essayé au hasard de faire ça et ça a marché. Je savais même pas que c'était possible. Hein. Oh. Oh. Oh dommage. J'ai failli save une dinguerie là. En fait cette salle, elle paraît pas si dure. Celle que tu fais en LOL, mais en vrai elle est pas si simple. Non. Oh ta mère. Fuck. Oh mais me dis pas faut faire un wall bounce quand même. Mais non mais c'est pas possible, j'ai pas de dash. Non, tu dois pas faire un wall bounce. Bah si je pourrais faire. Mais là ouais, j'atteins pas la plate. J'atteins pas la plateforme hein. Attends, fais voir. Oh mec. Ah si tu peux faire. Ah mais si j'avoue. Moi j'ai pas fait comme ça mais. Après moi j'ai fait un extended super dash. Pour atteindre la deuxième plateforme. Mais oui tu peux faire un wall bounce aussi. En fait. Et j'ai l'impression que. Je suis pas sûr, mais de toute façon on est obligé. Bah tu peux faire un extended mais tu sais pas faire donc. Y'a moyen que tu sois obligé de faire un wall bounce si tu sais pas faire les autres trucs. Parce que là. Je me suis accroché là, mais sauf que là, tu vois, hop. Je peux pas atteindre la plateforme, elle est trop loin. Mm. Oh bah alors faire un wall bounce avec en plus le timing, what the fuck. Oh.
Déjà que j'arrive déjà pas bien à viser. Hein. Non. Ça. Ouais, le 2C est vraiment. Ah assez simple. De quoi? Le 2C était. Ouais. Oui, mais pour toi c'est normal, toi c'est simple. Et toi tu mets pas 300 morts à faire un truc. Ah, dommage, je suis mort une fois. MDR. Après, c'est pas la première, c'est loin d'être la première fois que tu le fais, je pense aussi, mais bon. Ah oui, j'ai déjà fait plein de fois. Ah voilà, j'ai fait un wall bounce, c'est bon, je suis mort quand même. Mais faut. Ah, mais attends, mais faut. Non, mais me dis pas, faut faire deux fois un wall bounce. Faut le refaire encore, non? Je sais pas. J'en ai pas fait moi, mais. Alors, en tout cas, celui que j'ai fait, j'ai l'impression qu'il est obligé, hein. Sinon je vois pas quand tu... Ouais, ou alors avec une autre technique chelou que je connais pas, du coup peut-être que tu peux faire je sais pas quoi autrement, mais... Je crois qu'il faut faire double bounce, hein, en tout cas. Mais vu comment elle est, la salle, j'ai l'impression quoi qu'on... J'ai l'impression en tout cas. J'ai rebondi sur le cœur et ça m'a tué. Putain ah, sur laquelle... Je crois que c'est sur la 4B, j'ai pris le cœur et je suis mort après l'avoir pris. Ah ouais. Moi, c'est même pas genre j'ai rebondi dessus et je suis mort, c'est... Je l'ai pris et je suis mort après l'avoir pris, quoi. Ah ouais. Et ça a pas compté, bien sûr, hein. Rip. Putain, j'ai failli force ride la fin de la 4C, je suis trop deg. Oh putain, le dernier saut de Oshiro, là, putain. Le dernier saut de Oshiro, eh oui. Bien galère. Oshiro de ses morts. Bien galère, celui-là. C'est ça, le grosse. Ah merde. Et voilà. Ouais, il était carrément plus simple que le 3C, hein. Putain. Tu parles du 4? Ouais. Ouais, le 3, il est assez chiant. Oh, le 4 était tellement plus facile. Bah, GG, hein. Simmer. Merde. Combien de morts, hein? Je pense que j'ai moins de 100 morts. Ah non, pas du tout. 118.